Monstrologie, qu'est-ce que ça peut être? Ah, mais oui, Monstrologie, c'est la gazette pour l'Office culturel de Saint-Quentin. Superbe programme. Capitalcéramique.com. Bravo. Très bonne étape. Ce qui m'intéresse dans les monstres, c'est que souvent ils sont créés par des humains, soit par l'imaginaire des humains, soit c'est la faute des humains. Par exemple, les kaiju au Japon, comme Godzilla ou les grands monstres qui sont des forces de la nature, ces monstres apparaissent suite à un événement provoqué par des humains. Donc il y a ces créatures qui surgissent. Et ils ne sont pas forcément méchants ni gentils, mais ce sont des forces de la nature qui peuvent aussi provoquer une autre destruction. Et donc pour ce projet, c'est intéressant pour moi de travailler sur le thème du monstre parce que ensemble, on peut créer quelque chose qui exprime nos peurs, nos désirs, nos émotions fortes. Et que ça crée une base intéressante pour Il y en a certains parmi vous qui ont bien compris que les monstres, ce n'est pas forcément méchant. Il existe aussi des monstres gentils. Oui, mais c'est pas. Cette résidence, c'est une résidence de territoire. Donc, c'est une résidence pendant laquelle l'artiste travaille avec différentes populations. Donc, deux écoles primaires, une CATTP qui s'appelle le Transfo, donc un centre thérapeutique, et une maison de retraite, tout dans le village de Saint-Quentin. Alors, Monstrologie, c'est pas arrivé par hasard à Saint-Quentin-la-Poterie. Saint-Quentin-la-Poterie, c'est ce qu'on appelle la capitale de la céramique. C'est une ville métier d'art en fait depuis 1995 et elle réunit environ 45 artisans d'art dans le village, dont 38 potiers. Donc ça donne une atmosphère en fait assez vivante, assez inspirante aussi. Et nous avons souhaité donc développer cette résidence autour de la céramique contemporaine, puisqu'on accueille chaque année des artistes internationaux autour de ce médium. Donc le projet, c'est de faire un monstre. Une créature monumentale qui va voyager dans différents centres d'art et de céramique en Occitanie. Et le monstre est composé de plein de petits éléments, des écailles, des globes oculaires, des mini-sculptures qu'on aura réalisées avec ses enfants, avec ses adultes pendant 4 mois. Moi j'aime les sirènes. Les sirènes, soit les jolies ou soit celles qui font peur. Qui viennent de dans la nuit pour faire peur aux petits enfants. C'est un gruffalo, il a des cornes. Et je sais que je vois tout le temps le drac et la tarasque, vous savez. C'est des monstres, c'est une légende aussi, mais c'est des monstres. Sinon je vois un monstre à la télé ou quoi, bon je sais que c'est imaginaire, ça me fait pas peur. Mais les gens déguisés, oui. C'est plutôt des yeux dans le noir. C'était un loup-garou, il était noir. J'avais eu très très peur. C'est quelque chose qui fait peur. Oui, ben, il est mort, il les mange. Ah oui, d'accord. Donc il n'est pas toujours aimable. Oui. En général, j'ai plus peur des gens que des monstres. Parce que les monstres, on sait à quoi s'attendre, mais... Des monstres, c'est leur apparence qui nous marque et on ne connaît pas leur vraie nature. Là, regardez, il y a encore plein de places. Il faut encore remplir ça. Il faut tout remplir. On ne vous lâche pas, on ne vous lâche pas avant. J'en suis. De partout, il faut faire. Partout. Ah, voilà, mais c'est très bien ah ben, ça. Là, oui, c'est bien. Et vous verrez, quand vous allez faire le côté positif, ça c'est le négatif. C'est bien, ça. Et le côté positif, les trucs que vous avez faits deviendront des bosses.
Vous prenez une petite galette et vous la versez où vous voulez. Challenge, c'était de trouver une activité que tout le monde pouvait faire de 8 ans jusqu'à 90 ans. Moi, j'étais vraiment dans la réflexion de ouais, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que je peux leur proposer comme activité. Et finalement, la partie la plus importante du projet, c'est qu'on travaille ensemble sur quelque chose. Et en fait, quand nos mains sont occupées, ça nous donne la possibilité de discuter de tout et de rien, mais de créer des liens entre les gens et... Voilà, c'est vraiment la bonne surprise du projet. Elle est super petite, celle-ci. Bah ça, c'est quand elles sont cuites. Est-ce que vous voyez la différence de taille? Ben oui. Ouais. Ça rétrécit beaucoup à la cuisson. C'est super ce que tu fais là, tout autour. Là. Vous savez quel âge j'ai? Non, pas du tout. Allez. Non, pas du tout. 91. Ah ouais, quand même. Oui, c'est Maëlle et elle, c'est Jamel. Non, Julia. Julia. Oh, Julia. C'est vraiment magique, c'est très émouvant en fait, parce que... Bon, tout d'abord, il y a beaucoup d'enthousiasme. Les gens sont ravis de travailler sur ce projet qui est un peu loufoque, un peu mystérieux, un peu, voilà, ça parle à l'imaginaire. Après, on a mélangé les groupes, donc des enfants de 8 ans qui travaillent avec des mamies, des papys de 80 ans, qui, voilà, ça s'est très bien passé. Il y avait des enfants qui réclamaient une autre séance avec les seniors, et les seniors qui ont vraiment adoré cette interaction avec les enfants. Bon, moi, j'aurais jamais l'occasion de travailler avec toutes ces personnes différentes, et ces personnes aussi ont l'occasion de voir d'autres populations, d'autres, des personnes de notre âge, de notre milieu. Donc, oui, pour le moment, c'est super positif. Je vous explique. Ça, c'est un compresseur. Ça veut dire que ça compresse l'air et ça prend l'air et ça le compresse et ça le pousse dans ce petit tuyau jusqu'au pistolet. On appelle ça un aérographe. Moi, j'aime bien cet outil parce que ça me permet de projeter de la peinture sur quelque chose. Avec mon doigt, la peinture va commencer à sortir. Tire comment ? Qui veut essayer en premier ? Oh là là ! Oui, avec mamie, on a reçu. Et maman et papa, les enfants. Génial. Parce qu'il nous reste une petite pile. Oui, ça y est, d'accord. Vas-y, vas-y. Bien, très, très bien. Waouh, bravo. Aha!
Ici, on vient de réaliser le corps du dragon. On a commencé avec des petites maquettes comme ça, en papier, pour savoir comment construire cette structure. Et on travaille segment par segment. Donc, vous voyez ici, un tiers du corps du dragon, c'est fait avec du médium. On a essayé plein de choses, voilà, plus ou moins réussi. Et donc, on a réussi à trouver ce système-là qui ça crée une structure assez légère, mais rigide. Et ça va surtout supporter le poids de toutes ces écailles en porcelaine qu'on a fabriquées avec les différents groupes à Saint-Quentin. Une bouillie de bois mélangée avec de la résine. Et du coup, ça devient... Ça reste flexible parce que c'est fin et c'est plutôt costaud, mais assez rigide pour soutenir le poids de... Qu'est-ce qu'on a fait ? Les écailles, exactement. Toutes les écailles en porcelaine qu'on a fabriquées ensemble, ça va venir se poser sur ce squelette, sur les larves de monstres. Et voilà, ça va créer le corps du monstre. Je ne sais pas si tu avais un serpent bouger. Tu vois les écailles du serpent ? Bah, les écailles bougent un petit peu pour ou un poisson quand il bouge dans l'eau pour venir prendre la nouvelle forme que prend le poisson. Thank you.
Il y a un peu de monstres marins dedans, il y a un peu de des monstres d'ici aussi. Il a beaucoup de petites bouches avec des dents pointues. Le film qui accompagne cette résidence, qui la documente, qui nous a été concocté par Quatre Œils Productions et qui relate là en tout cas la première partie.